suivi et écouté vos explications et nous allons renforcer vos moyens de pompage. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur vraiment de, si le dispositif n'existe pas sur place, d'accélérer la commande pour renforcer en motopompe de grande capacité, 800 à 1000 m3/h, mais aussi de renforcer le dispositif de canalisation et les conduites anaconda. Mais en dehors de ces actions immédiates et urgentes, je suis venu aussi vous dire que des actions très importantes vont être engagées dès la fin de l'hivernage. Nous allons poursuivre et accélérer le programme décennal de lutte contre les inondations. Et dans ce cadre, je puis vous affirmer d'ores et déjà qu'une enveloppe de 30 milliards est disponible. Hier soir, j'ai reçu longuement le représentant de la Banque mondiale et que donc le projet 2 et 3 pourront être engagés immédiatement. Nous avons aussi, dans le cadre du budget, j'avais demandé des ressources immédiates, au moins 13 milliards qui pourront être affectés à l'ONAS pour que ces deux projets soient interconnectés. Et moi-même, dès la fin de ma visite à l'intérieur des régions la semaine prochaine, je vais coordonner une rencontre avec les différents ministères, avec les services de l'ONAS, de l'ADM, de l'AGROUT, de tous ceux qui interviennent sur l'assainissement, bien sûr avec les autres ministres concernés, afin que les travaux puissent démarrer dès la fin de pluie. Et vous donner l'assurance que l'État sera à vos côtés. L'État sera à vos côtés d'abord dans l'urgence. Et l'urgence, c'est de sortir les eaux des maisons et des quartiers. C'est d'assurer également un saupoudrage pour éviter le développement des maladies liées à l'eau. C'est également apporter l'assistance aux familles en termes de ressources financières, en termes de vivres. Cette dernière opération, tout comme les pompages, comme vous le savez, et le saupoudrage, ont déjà commencé dès le déclenchement du plan national Orsay.